Pour réussir une bonne pâte al dente, il faut regarder le mode de cuisson. Le temps de cuisson sur la boîte, si par exemple sur une boîte de spaghetti c'est marqué 7 minutes, vous réduisez le temps de cuisson à 5 minutes. Toujours dans l'eau bouillante, salée, et vous allez obtenir une excellente pâte al dente. Et il ne faut pas oublier un petit détail, il ne faut jamais rincer les pâtes une fois cuites. Pour réussir une sauce tomate express, il vous faut les ingrédients de base, ça veut dire hacher un oignon, une gousse d'ail, une feuille de laurier et des tomates fraîches. Vous coupez les tomates fraîches en dés, vous faites revenir votre oignon et l'ail dans un poêlon avec de l'huile d'olive, vous rajoutez votre tomate préalablement coupée, vous l'assaisonnez avec du sel, du poivre et du basilic frais haché, une pincée de sucre et vous laissez bouillir pendant 5 minutes. La sauce est prête à déguster. Dans la cuisine italienne, l'escalope de veau, c'est un plat typiquement italien. Pour avoir de l'escalope de veau, une excellente escalope de veau, il nous faut du veau de lait, de qualité supérieure par rapport au veau de grain. Donc vous coupez l'escalope en petits morceaux, vous la farinez et vous la passez dans la poêle, vous faites revenir dans la poêle avec de l'huile d'olive. Vous salez, vous poivrez et vous pouvez rajouter tous les ingrédients que vous avez en main. N'importe quelle sauce peut être servie avec l'escalope de veau. Escalope de veau parmigiana par exemple, vous pouvez faire de l'escalope de veau champignon, vous pouvez faire de l'escalope de veau à la moutarde et comme ça dessus. Benvenuti et buon appetito!